Je sous-signais, Fèvre Alexandre. Né le 10. Ouais, bon, déclare par la présente accepter purement et simplement la succession de monsieur Lambret Titouan, dont je suis l'héritier en ma qualité de neveu. Bon, je signe. Hey. Alors mon amour, comment ça s'est passé? Ah, super. Je comprends juste pas pourquoi c'est moi l'héritier. Tu sais, j'ai jamais connu cette partie-là de ma famille et tu sais très bien que j'ai jamais connu ma mère. Ah oui, c'est vrai, elle est morte peu après ta naissance. Mon oncle a apparemment jamais eu d'enfant. C'est pour ça que c'est moi qui récupère sa maison. Plus trop fait parler de lui depuis sa présentation fin 2019. Alex, tu vas en faire quoi de la maison? Je sais même pas dans quel état elle est, tu sais. Je passerai la voir demain, je pense. Que je oh travaille non, pas. Moi je travaille demain, je pourrais pas venir. Et bah c'est pas grave, j'aurais qu'à prendre des photos pour toi. Qu'est-ce que vous foutez ici? Hé, hey, c'est chez moi ici. Hé! Hey. C'est quoi ce bordel? De Sport Auto, Laurent Chevalier nous livre ses premières impressions au volant de cette rivale des McLaren GT Porsche. Hey. Alors mon cœur, cette maison, elle est sympa? T'as pris des photos? Ouais, elle est sympa. Mais j'ai oublié les photos, carrément. Oh, demain après-midi, je bosse pas. Dis mon amour, on peut aller la visiter demain à deux? Bien sûr, j'attends. C'est trop beau ici. J'arrive, je vais juste vérifier un truc. Tu veux un petit peu de gâteau, Rodolphe? Viens à table, le repas est prêt, ma chérie. J'arrive. Y'a quoi ici? Rien. Fais voir. Non, attends. J'adore cette maison. J'aimerais trop emménager ici. Fatigué en ce moment, ça va? Ouais, ça va, c'est juste cette histoire d'héritage et de maison. Tu sais, je sais même pas ce que je vais en faire. C'est quoi, je vais me prendre une journée de repos, je vais appeler le boulot. Thank you.
Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ça y est, on va avoir un bébé. Papa. Bienvenue à la maison, Alex. Non. C'est ici que t'as grandi. J'avais jamais vu ton visage. J'avais jamais entendu ta voix. Alex. Alex, dors comme un ange. Je pourrais même pas le voir grandir. Mais ça va aller, mon amour. Il y a toujours de l'espoir, tu sais. Les médecins ont dit qu'il y avait très peu de chances que je m'en sorte. Tu peux encore guérir. Promets-moi que tu prendras soin d'Alex, s'il te plaît. Tu seras le meilleur des pères pour lui. Il sera heureux avec toi, j'en suis sûre. Maman est partie maintenant, Alex. Mais ne t'en fais pas. Papa s'occupera bien de toi. Il fera tout ce qu'il peut pour te rendre heureux. On ira vivre dans une autre maison, rien qu'à deux, entre garçons. Trop de souvenirs dans cette maison. Mon petit Alex, pardonne-moi. Je suis désolée d'avoir dû te laisser si tôt, et j'espère qu'un jour tu liras ceci. Je suis certaine que ton papa s'occupe bien de toi. J'aurais tant aimé te voir grandir, partager des moments avec toi, t'entendre dire « maman » pour la première fois, et m'inquiéter pour toi à chaque rentrée, quels que soient les choix que tu feras dans ta vie. Je serai fière de toi. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could erase the machine. Cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could be. Get you, I can't forget you.